Merci beaucoup, Monsieur le maire. La maire de Paris, dans un entretien à la presse, a annoncé la transformation de la place du Châtelet et la renomination du théâtre de la ville en théâtre Sarah Bernhardt, suivant ainsi le vote d'un vœu porté par notre collègue Fadila Méal, que je souhaite ici remercier pour son action. Dans cette même interview, la maire de Paris a aussi annoncé son intention de retirer les grilles du square Saint-Jacques. Alors pourquoi ? Finalement, ça fait écho aux propos à l'instant tenus par mon collègue Pierre-Yves Bournazel. Pourquoi retirer les grilles pour transformer ce square autour de la tour Saint-Jacques en une pelouse ouverte jour et nuit? Alors, une nouvelle fois, et cela fait aussi écho au débat que nous avons eu lors du précédent Conseil de Paris sur les squares de l'Île-de-France et de Notre-Dame, ce qui fait l'identité parisienne, pourquoi vouloir à ce point la détruire? Dans la ville peuvent parfaitement cohabiter des squares et des pelouses. Pourquoi donc vouloir tout uniformiser? Pourquoi vouloir détruire ce qui fait l'identité de Paris et mettre en jeu la biodiversité en supprimant les haies et les bosquets? Donc, par ce vœu, nous demandons à la ville de revenir sur son souhait de retirer les grilles du square Saint-Jacques. Je vous remercie.